Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit mode bien sympathique puisque vous allez pouvoir avoir des bases complètes dans des boîtes. Les boîtes que vous avez ici. Alors il y a différentes boîtes, c'est-à-dire la boîte cuisine, la boîte habitation, la boîte craft et celle-là. Alors là, bonne question. Vous pouvez aussi avoir les high-tech tentes. C'est-à-dire qu'avec depuis une tente basique, vous allez pouvoir maintenant avoir une technique qui va vous permettre de faire pop directement une tente. Donc ça peut être sympa pour se soigner, etc. Je vais vous montrer maintenant comment je me suis crafté la base inbox. Voilà, donc la base dans la boîte crafting. Je crois que c'est crafting, oui. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, il suffit de mettre la boîte au sol comme ceci. Et ça va nous, normalement. Je me demande. Ah voilà. Et voilà. On a maintenant une petite base. Avec un four. Une metal workstation. Toute prête. Et une table robotique. Voilà, ça peut être super cool. Comme je vous l'ai dit. Vous savez ce que je vais faire, je vais vous montrer aussi peut-être les autres. Voilà. Je vais vous montrer les autres box en même temps. Normalement il suffit de titanium. Non, il va me falloir aussi des pixels, donc je vais devoir remonter. Mais c'est pas grave. Donc ça peut être super sympa, surtout si vous arrivez sur une planète et vous avez envie de créer une petite base. Vous installez un peu sur la planète. Ça peut vous permettre d'avoir une base avec tous les crafts disponibles. Genre vous pouvez laisser vos tables de craft etc. sur le vaisseau. Et avoir sur la planète directement ceci. Directement prêt. Attendez, je vais essayer de. Voilà, c'est bon. Je vais essayer de monter. Enfin je vais essayer. Je vais monter sur dans mon vaisseau. Récupérer un peu de pixels pour pouvoir vous montrer les autres. Hop, hop, on met du diamant et c'est parti. Donc à part ce mode, j'ai plein d'autres modes bien sympas. N'hésitez pas aussi à partager des modes dans les commentaires, hein, si vous voulez. N'hésitez pas aussi à m'en parler si vous voulez que je présente d'autres modes. Il y aura pas de problème du tout. Hop, on récupère les pixels et ça devrait être bon. Alors pour installer le mode, ouais, Warp2 Planet. Pour installer le mode, c'est comme les autres modes, suffit de décompresser le fichier dans le dossier mode et vous l'aurez dans le jeu. Alors il a fallu que je fasse. Oui, voilà, il a fallu que je me recrafte le Star Map Upgrade MK3 et que je le réutilise. Et ça m'a redébloqué la station science. La science station. La station scientifique plutôt. Pour pouvoir avoir tout ceci. Voilà, j'ai plus de place dans mon inventaire, ça on va le virer, c'est pas grave, ça aussi. Alors, je vais les mettre dans mon raccourci, ou même, ouais, on va le mettre là. Ah du coup je sais pas si ça va générer. Non. Ça ne générera pas puisque c'est obstrué par le... par l'autre base. Ce qu'on va faire, en fait il faut de la place, il faut pas mal de place pour créer sa petite base. Bon là je suis sur une planète bêta donc il y aura pas de souci. Ce que je vais faire, je vais faire ça comme ceci. Bon je lag un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. Ok, et on va faire ça. Voilà.
Voilà. Merci le bulldozer. Alors, est-ce qu'on va pouvoir maintenant le... Je pense qu'en hauteur, ce sera pas bon. On va se les mettre les deux ici. Ça, on va virer. Je me demande. Ah si, quoique, ça peut être bon. Ah voilà, donc là c'est l'habitation. On a un petit siège et un lit. Je sais plus en quelle matière c'est. C'est pas grave, on s'en fout un peu. Oula. Voilà. Là c'est mieux. Et on va mettre l'autre ici. Et voilà, la cuisine. Donc vous avez vu maintenant les différentes bases avec le petit frigo. De quoi pouvoir cuire les aliments. Et là le petit la petite cuisine. Voilà donc la présentation du mode Basine Box. J'espère que ça vous aura plu. Je mets le lien pour télécharger le mode dans la description. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!